Alors, Combini, la régie, écrivez le comme au début, hein, s'il vous plaît, merci. Alors oui, je disais que Combini est la contraction de Convenience Store, c'est-à-dire magasin pratique. Une épicerie, quoi. Ou encore mieux, une supérette. Ouais, je la garde, celle-là. Mais pourquoi donc parler de ce terme à la para, somme toute anecdotique, me direz-vous? Eh bien, tout simplement, car ces Combini sont ouverts 24 heures sur 24, mais aussi 7 jours sur 7. Fuck la réforme des 35 heures. Et on y trouve quoi dans ces Combini? Un dimanche à 2h du mat? Bah de tout. Mais quand je dis de tout, la nourriture, logique, mais également des produits de première nécessité, de la presse, on peut y faire des photocopies, mais aussi réserver des places de pestacle ou bien payer ses factures. Le rêve. Donc, des Combini, vous en trouverez à l'appel, puisqu'on en dénombre plus de 50 000 au Japon. Vous vous rendez compte? 50 000! Bon, ça veut trop rien dire comme ça, mais c'est beaucoup, quoi. Et si tu veux te la péter et faire comme moi, la prochaine fois que tu verras un de tes amis, sors-leur « Oh, j'ai mangé un de ces onigiri à Shibuya dans un 7-Eleven. » Et surtout, prends un air condescendant comme moi. Hein. Résultat garanti. Bref, c'était ça Combini. Ou Combini, ou bien Combini, ou encore Combini. À bientôt, et surtout, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement.